Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 25 août. En bref, voilà, j'avais pas d'intro. J'ai rien préparé. Moi, je suis là. Je débauche. Je suis fatigué. J'ai rien prévu. Ah, j'avoue, je me suis lancé. Je me suis dit ça passe, ça advienne que pourra et advienne que fut. Hein. Donc, allez, le chat qui charge. Nice, allez, blog, pub, régène. On se remet droit. Ouf. Mais la bonne partie aussi, il paraît que c'est pas mal. Kaiserslautern! Fait la pub tiens sur Twitter parce que va falloir amener des gens hein, qui regardent ce que je fais sur l'internet. Bonjour à Litigo et Duality qui arrivent sur le chat en pole pause. Zession, je vais mettre ça un petit col propre quand même. Twitch, voilà. Let's go baby. Alrighty then. La pub sur Twitter est effectuée. Je ferme cette page nouvel onglet. Je réaffiche le chat. Mon retour sur OBS. Pour voir si j'ai pas trop de pertes d'image, ce qui m'a l'air plutôt correct, et mon petit Twitch alerte pour pas rater les follow et le soutien incroyable de mes viewers. Ah, bon, et ben c'est très simple. Là, on va tourner le vrai épisode 2. Si j'ai pas de coupure d'électricité, de toute manière, il va y avoir beaucoup de sauvegardes hein, sur le stream d'aujourd'hui. J'ai pas envie de perdre. Voilà. Ce que je vais faire comme truc, donc on va envoyer du steakos, hein, quand même, ça serait bien. Hop, hip, hop, Ring, Jensen, Alpha, Bulversen, Klich, Karle, Eubach, Vukir, Schulze et Müller. Ouais, je vais y aller comme ça, brut de Pépito, combinaison offensive, nous sommes à domicile, j'ai envie de me fight. Let's go, baby. Allez les gars, on est tous avec vous. Offensif, je choisis la méthode offensive. Tac, j'y crois. Et j'espère que ça va marcher. Puis si je perds, je sauvegarde pas, comme ça. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Non, après les matchs, il faut que je sauvegarde absolument. Après chaque match. Ça va être un petit peu chiant. À regarder. J'essaierai de je sais pas de parler pendant les sauvegardes à chaque fois, mais je suis en mini résumé là, non? Ouais, parce que ça c'est pas beau. Ah merde, j'ai mis des bouts de je sais pas quoi sur le tapis. Hop, une petite soufflette. Oh. On enlève ça, 3 tirs, 0 cadré, un très bon match de l'équipe pour commencer. Tous les tirs sont dans la surface. On domine notre adversaire. Je vais juste passer en contrôlé. Parce que là, c'est un carton rouge, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Ils ont été agressifs. Oui, je souhaite reporter cette personne. Bon là, très offensif, hein. Là, faut y aller. Attends, 7-6. Oula, c'est pas beau comme match. Je souhaite plus. Ouais, la tomate. Susu. Susu la famine. Yo. Allez.
C'est juste ceux qui ont un carton jaune, prenez pas un carton rouge bêtement pour qu'on soit du 10 contre 10, c'est tout ce que je demande. Allez, là il y a du rythme, il y a de l'action, il y a du ring. Karl. Alpha. Alpha qui t'éborde. Ring. Ah, Schultz. Papa Schultz. Oh putain, j'ai Papa Schultz. Oh god, je vais l'appeler comme ça. Ouais, on va croquer, on va faire 0-0, on va faire que des poteaux et tout. C'est ça que vous voulez me dire, scénario classique. Il faut faire des changements parce que là c'est un match relou. Patrick Ziegler. Non, il faut que je sorte un carton jaune. Je vais mettre la petite mobilette. Et à Schulze qui fait un bon match, on va lui donner plus de liberté. Klich qui est pas super en forme. Alpha non plus. Alpha, il y a moins de temps de jeu. On va faire entrer Marcel Gauss. Qui je vais demander de faire la différence. Et à lui aussi. Allez les gars. Allez, juste un but. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Voilà, Schultz! Papa Schultz! Quoi? Je ne le... Mais je... Je viens de faire mes remplacements pendant cette action où je faisais sortir mon buteur, donc Monsieur Boudvarsson. Et comme ce jeu de merde, hein, parce que c'est un jeu de merde, ne met pas pause ou n'arrête pas l'action, du coup mon changement ne s'effectue pas et il se prend un carton rouge pour je ne sais quelle faute. Voilà. Je l'ai annoncé qu'on allait putain se prendre un putain de carton jaune à 10 contre 10. Putain, mais j'en ai marre de connaître ce jeu par cœur et tous ces bugs par cœur. J'en ai marre. Ce jeu de merde que je connais sûr par cœur. Il va rien se passer jusqu'au bout. Ou on les entube ou pas. Gardien homme du match. Quoi, pardon? Putain, ça m'énerve. Putain, on perd sur un bug. Sérieux. Bon, on perd sur un bug, ça commence bien. Stream qui commence bien. Je fais le changement, j'appuie sur confirmer, ça fait pas le changement et ça m'encule. Allez, zou. Oh, putain de bordel à couilles de merde. Et encore, je reste poli. Putain. Plein le cul. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, et ça devrait être un réflexe, hein, à contrepartie, pourquoi quand tu mets en mode. Faire un remplacement, ça ne met pas pause automatiquement dans le jeu. Ça me fascine. Putain, on perd 3 points bêtement à cause d'un putain de bug. Salut Ben. Salut Cachard. Salut Ansui. Salut Marco Verratti. Oh, t'as plein d'équipes là, Marco Verratti. Là, t'as le PSV, t'as Bâle, t'as le Dynamo Zagreb, t'as. Batté Borisov. Ouais, Copenhague, ouais, j'avoue, t'as bien l'avantage en début de partie. S'il vous plaît, une coupure d'électricité, s'il vous plaît. Je regarderai le match d'après. S'il vous plaît, une coupure d'électricité pour cette enculade de FM, s'il vous plaît. Putain, le problème c'est qu'ils sont passés ce matin, là. Ils ont pendant 3 heures, ils ont coupé l'électricité. Je suis sûr qu'ils ont réglé le problème d'électricité que j'avais. Oh, fait chier de commencer comme ça. Salut Sam la banane. Salut Chiro. Le PSG. Oh. Ça sent le stream moisi, ça. Tu as cette odeur là? Eh ben, ça sent le stream moisi. Ça sent les matchs à la con, ça sent les entubades. Ah ouais, là, je le sens tellement. Un match comme ça où tu es à 10 contre 11, tu sors un de tes cartons jaunes.
Le changement se fait pas et puis le jeu te met à 10 contre 10, ah, c'est. Ah, j'aime pas ça. Voilà, c'est. Hein, sent pas bon du tout. Bon, restons calmes. Restons. Pardon? J'ai vendu pour 300 000 euros. Le club a enregistré le mois dernier un déficit de 900 000 euros. Qui c'est qui vole de l'argent? Parce qu'il y a quelqu'un qui vole de l'argent, on va pas se mentir, hein. Qui est cette personne? S'il vous plaît. C'est pas fun. Bon, on n'a pas d'attaquant, bien sûr. Pour le prochain match, il va falloir être un génie. Je suis blasé. Je suis blasé. Je sens pas du tout ce match, mais d'une. En termes de puissance, on est là-haut. Je sens tellement pas, les joueurs non plus le sentent pas. Ça se voit, il y en a que deux dans le vert. Je vais me faire défoncer. Je pense que je perds 2-0 sur ce match et que je fais un poteau. Ça se voit un petit peu. Un petit peu que j'ai chaud. Ah voilà, alors j'ai dit que je perdais 2-0 en fait, c'était le principe du pronostic. Oh, il y a marqué il trouve le chemin défilé pour son anniversaire. C'est mignon. Bref. Ah. Qui est putain de calor, ouais, je. Je n'en puis plus de cette chaleur. Ah non, mais c'est que tu t'as raté le match, oufti. T'as raté le match. Je fais 0-0. Ils ont un joueur expulsé, je passe en offensif. On a beaucoup plus d'occasions, etc. Et là, je fais un remplacement. Je sors mon buteur qui a un carton jaune parce que je sens qu'il va se prendre un rouge. Et je dis d'avance sur le stream. Je sors le mec parce que sinon on va terminer à 10 contre 10 et le jeu va m'entuber. Je fais confirmer dans remplacement. Ça n'arrête pas l'action. Il y a un centre de mon ailier pour mon buteur, donc il y a un carton jaune. Je sais pas ce que fait mon buteur. Il marque un but et il se prend un autre carton jaune et il est exclu. Le but compte pas. Et on est à 10 contre 10. Voilà. Alors que je venais de les sortir dans les remplacements. Voilà. Voilà où on en est dans Moonball Manager. Mais non. Voilà où on en est. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ah non. Ils ont fait ça, Twitch. Tu peux chargement du clip vidéo. Alors, ouais, ils vont marquer là. Oh putain, non, je sens qu'ils vont revenir dans le match là. J'ai plus la possession. On a un bon taux de passe réussi, il faudrait peut-être conserver un peu le ballon pour un peu les dégoûter là pendant un temps, en contrôler. Oufti, c'est trop par je regarde. Ah oui, c'est. Ah, d'accord, c'est le. Ouais, d'accord. J'ai vu, pas vu la sélection. J'ai vu qu'il y avait Corchia parce que j'ai vu. J'ai vite fait aller sur Twitter là. Quand j'ai débauché, je me dis oh putain, faut que je stream. Ah, faut que je stream. Enfin, j'avais envie de stream et je me suis dit, ah, j'espère que je vais avoir de coupure d'électricité. Ils vont marquer, c'est sûr. C'était évident. Pourquoi? Ils se font dominer pendant tout le match. La deuxième mi-temps, ils se font défoncer la gueule et reviennent dans le match. C'est. Je sais pas, j'ai jamais d'explication. Ils font rien du match. Et puis d'un coup, tu regardes la tactique, ça bouge pas. Il n'y a rien qui se passe dans le jeu, mais. Donc là, on fait une belle action. Et là, une frappe à bout portant pleine puissance.
Ok. Hop. D'accord. Bon. On va se prendre un ballon en profondeur. Ça sent pas. À moins qu'on les entube. J'aimerais bien les entuber, ça ferait vraiment du bien. Alpha est très très bas, ça sent. Ouais, ça. On crée le décalage. L'adversaire, il aurait mis une lucarne. Putain. Bon, c'est encore un match nul. Deuxième match bizarre. Ils ont eu une action dans les ralentis et blanc mise. Fin du match. Ça sent vraiment le stream extrêmement mauvais en termes de résultats. Ça, c'est un match buggé comme ça dès le début d'une. Dès que t'as appuyé sur charger la partie, c'est sûr. Ah putain, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon. Ouais, c'est pour ça que t'es mauvais, c'est parce que t'es le meilleur défenseur droit de D2 de Bundesliga, du coup tu joues pas bien quoi. Ah non mais. Ah non, il a eu 7, putain j'ai eu peur. Je me disais là c'était vraiment pas logique. Bon, deux matchs nuls pour commencer. Ça, celle-ci, ça passe toujours pas. Et celui-là, il passe un peu plus. Même si j'ai vu aucun de leurs tirs cadrés sur les replays. Go tracé. Que le jeu devrait pas trop nous entuber face à Würzburg. Il est dire tiens regarde tiens on va te donner une victoire pour te faire croire qu'il n'y a pas de bug. Et puis, match d'après je vais me faire entuber quand même. Allez go faire ce match de DBFB Pokal, DFB Pokal. Je vais faire tourner. À la limite. Ça donnera du temps de jeu, ça me permettra de revoir d'autres joueurs parce que là, certains. Un petit peu envie de brûler leur maison, quoi. Ce qui serait dommage, hein. C'est vrai qu'on n'est pas là pour brûler des maisons à la base. Hein, on est normalement quelqu'un d'assez amical. Mais bon, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Ça serait pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée.
Ah non, pas lui en demi-centre, j'ai pas envie. Surtout que le jeu va être capable de me le blesser. Plutôt mettre un vrai à la limite ring en demi-centre, m'en fous. Ouais, c'est bien là. Let's go. Alors, petit match de coupe, grosse rotation. C'est dommage que le jeu, une consigne qui serait intéressante de mettre là dans les causeries serait de quand on fait une grosse rotation comme ça que le jeu le détecte en fait et dise en gros comme pour les matchs amicaux il y a des places de titulaires quoi donc que ceux qui n'ont pas forcément le temps de jeu en championnat se donnent un peu plus sur ce match. Parti, je vais tenter de jouer en offensif face à normalement un adversaire pardon bien inférieur à nous. Putain, ça parle football belge sur le chat, j'essaye de tout esquiver. D'accord. Demi-volée, lucarne opposée. Paul Tomic. 11 en finition, 10 en sang-froid, défenseur droit. D'accord. Je me fais dominer en possession contre une D3 allemande avec plus de pressing et tacle plus dur. Ils ont 82% de passes réussies. Face. Alors là, là c'est hyper intéressant. Carton rouge, match fini. Allez, next. Deux cartons rouges en deux matchs. Allez, go next. Hop, match bugué. Suivant. Hop, hop, on passe. M'en fous, go tracé. Donc j'ai pas d'équipe première capable de marquer et j'ai encore moins d'équipe B. Bon, il va rien se passer jusqu'à la fin. Même si je fais n'importe quoi en termes de consignes. Hop, on fait n'importe quoi. La frappe qui fait. J'adore ces matchs. J'adore ces matchs. Ils sont énormes. Il frappe des 30 mètres, ça rebondit sur le tibia qui fait la passe la plus parfaite pour l'ailier droit qui a plus qu'à centrer. Ils sont trop réalistes ces trucs, j'adore. 17h50 le Champions League. 10 minutes. T'es fini le match là, le match bugué aussi? 83% de passes réussies pour de la D3 allemande face à un plus de pressing et une équipe de D2 allemande en tacle dur, etc. Très bien. Très bien. T'imagines qu'ils ont tous 15 en passe du coup. Alors, Stade, Würzburg. Alors, Lukas Klünter. 9, 10 en passe. 11 en passe. 10 en passe, 10 en passe, 11 en passe, 9 en passe. Bon, je m'arrête là parce que c'est pas réaliste. Next. Hop.
on continue. 80% de passes réussies, 60% de possession, moyenne générale de l'équipe de 10,5 en passes, face à un gros pressing et des tacles durs. Et une équipe de une division supérieure. Yes. Yes. Muy bien. Ciao Ben. Heidenheim. Comment? Alors là, qu'est-ce qu'on a eu comme scénario? Donc les matchs volés, on les a eu. Mais on n'a pas eu le gardien bugué. Il y a un gardien à plus de 7,5. Pas bugué, un gardien qui fait le match de sa vie. Ça sent peut-être le match comme ça, là, face à Heidenheim. Ouais, je mets une petite pièce sur un gardien à plus de 7,5. Ah, quoique, on n'est pas capable de marquer. Oh, allez, si on va dire que c'est ça. Un gardien à plus de 7,5 sur ce match. Je le sens. Je le sens. J'ai fait interrompre, stop bugger. Allô, j'ai pas appuyé sur continuer. C'est bien, ça marche bien ce jeu vidéo aujourd'hui. Pas de repos d'après-match. On va direct travailler les actions offensives, placement def, on va tryhard. On va voir si ça bug moins. Putain qu'il est frustrant là des fois ce jeu. En fait, là où c'est frustrant, c'est que tu fais charger la partie. Tu peux être sûr que si ton premier match il est hyper bizarre, tous tes matchs seront bizarres pendant tout le temps. À la limite, il faudrait que je sauvegarde, je quitte FM, que je refasse charger la partie. J'ai l'impression que c'est un autre scénario qui se charge. C'est ça m'énerve particulièrement. Ça m'énerve particulièrement ça. Personne au-dessus de 7. Ils sont où les joueurs qui ont joué ce match? Ils sont où les joueurs qui ont joué ce match? Ils sont où les joueurs qui ont joué surtout ce match? Bordel de merde. Osei, Klich, Gosring, Bouvarson. Ah, ça me gave cet illogisme là. Putain. Ils sont là. Ouais, donc ils ont un moral correct, c'est-à-dire qu'il va y avoir que de la merde. Ça, c'est un début de crise dès le début de la saison. Si je perds là, faut que je passe en collectif. Et comme je vais perdre là, ça va se passer comme ça. Dès ce match-là, il faut que je joue sans pression parce que c'est buggé. Allez, let's go. Alors, vu que c'est déjà une crise apparemment, ton calme. Non, je sais même pas quoi faire. Non. Équilibré, il n'y a aucun déterminé dans l'équipe, donc ça a rien de jouer un petit peu agressif, sinon ils vont mal le prendre. On va redescendre d'un cran, passer de contrôle à normal parce qu'on n'est plus pas du tout favori face à nos adversaires. Donc on ne peut pas jouer en contrôlé ni offensif à l'heure actuelle. On est 5 devant la surface et le mec qui est tout seul arrive à mettre le pied sur le ballon. Putain. Mon joueur se prend une bûche, il n'y a pas faute. J'ai pas enlevé plus de pressing, engagez-vous plus, hein. Non, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Des fois, j'ai des doutes. Allez, Karl, dans l'axe cliché. Mon ballon pour Alphard. Et première parade du gardien. Franchement, s'il a plus de 7,5 comme j'ai annoncé avant le match, potentiellement, je crée une nouvelle partie avec le PSG, je joue en 4-3-3 et je roule sur les gens pour me venger pendant. Parce que ça me cave. Là, c'est assez ouf. Allez, Schulze. Schulze qui a l'air meilleur que Zimmer. Putain, c'est marrant ça. C'est quoi cette talonnade au milieu de terrain?
Allez, on fait circuler, ça c'est pas mal. En jeu direct, voilà, on perd pas la balle bêtement. C'est bien. Pour l'instant, ça me va. Ok, là il y a une profondeur à trouver, quelque chose. Voilà. C'est pas mal, c'était une belle action construite. C'était logique, il n'y avait pas de soucis. Ok. Un tir, un cadré, un but pour l'équipe adverse sur leur première action du match alors que je domine depuis 25 minutes. Il a le temps de frapper deux fois sans que personne fait à ne marquer. Plus de pressing, engagez-vous plus. J'ai l'impression qu'il va falloir que je décoche et que je recoche. Il y a un bug. Encore une fois, on continue. Le match est buggé. Je comprends pas. Il a le temps de se contrôler le ballon, frapper. Ben, reviens sur lui. Attends, refrapper. Le défenseur central ne bouge pas, est stoïque. On va descendre la ligne de défense d'un cran. Centre de l'équipe adverse. Mon défenseur central ne bouge pas. Ça vient sur sa poitrine. Il ne bouge toujours pas. Ça arrive vraiment très vite sur sa poitrine. Il ne bouge toujours pas. Ça tape sa poitrine et ça fait un but poteau rentrant pour l'équipe adverse. Deuxième occasion pour nous. Frappe à bout portant. Reprise de volée. Plein coin. Le gardien fait une parade. J'ai fait 5, 6 tirs cadrés, 0 but. Ils ont fait 5 tirs cadrés, 2 buts. J'ose pas regarder la note du gardien parce que je sais que j'ai raison. Et là, ça devient quand même un talent. C'est trop en fait de connaître ce jeu autant là. C'est beaucoup trop. Heidenheim, le gardien a 8,5. Putain de jeu de cancéreux de merde. Avant le match, quoi, tellement je le sais. Avant le match, je l'annonce. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Blessure d'un titulaire. Hop. Un match volé. Un match bizarre. Un match où j'ai fait une rotation et l'équipe fait à 60% de possession avec une moyenne de 10,5 en passe de l'équipe en D3 allemande. J'annonce avant le match que j'ai pas eu comme match buggé le match où le gardien est un dieu à plus de 7,5. On joue le match, le gardien à 8,5. Putain. Tu peux même pas blâmer la tactique parce que putain, on les surbouffe quoi. Mais non. Allez, comme annoncé, comme prévu, en fait ça devrait s'appeler comme prévu 2016 ce jeu. Tellement c'est frustrant et prévisible as fuck. Défaite 2-0 à domicile, j'avais annoncé que le gardien aurait de plus 7,5 sur le match. Parce que c'est le seul scénario buggé que je n'ai pas eu depuis le début de la saison. Et que quand t'es dans une crise buggée de merde comme ça, l'homme du match est Yann Zimmermann, du gardien de Heidenheim, qui a 30 ans, qui a rien, qui dépasse 15, qui a fait sa carrière full D3, D2 régionale allemande. Et voilà. Merci, Football Manager, pour ces moments de plaisir imprévisibles et incroyables qui nous transportent chaque jour. Voilà. Oui, quand il y a le petit freeze, il y a but forcément, c'est normal. Pleure pas. Non, je pleure pas, j'ai raison. C'est différent. C'est chiant d'avoir raison tout le temps. Voilà. C'est chiant, j'en ai marre d'avoir raison sur ce jeu. Ça me casse les couilles.
Autant Kevin Cross qui fait un gros match, franchement je l'accepte, il n'y a pas de souci. Autant Jean-Luc, là pareil dans l'axe, ouais, je l'avais. Et à limite je perds 2-0 et c'est eux deux les hommes du match, il n'y a pas de souci. Mais dire qu'avant le match que je suis sûr que quel que soit le gardien, ça va être l'homme du match, enfin ça va être celui qui va faire plus de 7 et demi. Putain, c'était le seul scénario qui me manquait, quoi. Alors, depuis le début de la saison, 6 tirs cadrés, 0 but. 3 tirs cadrés, 1 but. 3 tirs cadrés, 0 but. D'accord. 12 tirs cadrés, 1 but. Très intéressant. On va descendre la ligne de défense, alors, si c'est un problème, parce qu'ils sont incapables. C'est dans une période de crise, si je fais une réunion, vu que ce truc de réunion est buggé, ça va faire que aggraver la crise. Donc ça, je peux pas le faire non plus. Alors que je fasse le coup de l'entraînement. On va bosser cohésion d'équipe et collectif. Placement défensif sur le prochain match. On va engueuler ceux qui, illogiquement, ont des mauvaises moyennes sur les derniers matchs. Mon gardien de but, ça va être son 16 en 1 contre 1, ou son 15 en sortie dans les pieds, ou son 15 en réflexe qui va faire que. Les mauvais. Je peux pas encore les insulter. C'est pas assez de défaites. D'accord. Mais moi je l'avais pas gardé, ouais, je sais. J'avais oublié que t'avais pris. Du coup, t'avais vu que Kevin Cross. Ouais. Qui est sur le blog, ouais. Kevin Cross. Il n'y a pas de souci, tu vois, Kevin Cross, tu vois. Comme je dis, à la limite, les défenseurs centraux d'Aidenham qui swamment du match parce que voilà. J'ai 20 fois raison, 20 fois moins de raison de rager, il n'y a pas de souci. Parce que je sais que Kevin Cross est un monstre et l'autre à côté est vraiment pas mal non plus. Mais que je dise avant le match que le seul scénario buggé de ce jeu de merde, c'est le gardien qui sort le match de sa vie, donc pas le mien, hein, bien sûr. Ça, c'est une fois tous les deux saisons, toutes les deux saisons. Et que ça se passe exactement comme je l'ai prévu. C'est ridicule, franchement. Hop. On continue dans la logique, toujours, parce que c'est important la logique dans Football Manager, c'est une des bases du jeu. Alors, Karl en demi-def. Alors là, je suis incapable de prévoir ce qui va se passer, pour être très honnête avec vous. Je suis incapable. Incapable. Je sais juste que j'essaye de mettre le plus possible des gens qui sont à peu près capables de jouer au football. De ce que j'ai vu et de ce que je vois des stats. Il met un quadruple. Il a 7,50 sur les matchs amicaux. Il a 6,60 en championnat. Merci pour le hot mass, salut. Merci, merci. Alors, nous affrontons Paderborn, le premier du championnat. Si je gagne contre le premier là actuellement, je sauvegarde et j'arrête le stream. Je pense que là, en termes d'illogisme, on aura atteint le summum du paroxysme du top du sommet. Je vois pas comment on peut gagner alors que j'ai rien fait. C'est impossible. Je regarde pas les stats, je vois pas qu'on est en train de les dominer, c'est pas vrai, je regarde pas, j'ai rien vu. Alors, un coup franc pour eux, un coup de pied arrêté, ça y a pas de souci. Tacle par derrière non sifflé pour eux. Du coup, ils ont une action, balle dans le dos. Bug du gardien qui reste sur sa ligne. On a failli se prendre un but à la con. Celui-là, il aurait été particulièrement énervant. Alors, passe. Le mec passe dans son dos alors qu'il n'y a personne. Très bien. On fait particulièrement n'importe quoi sur ce match. Le décalage, il se fait déborder un contre un. La reprise du volet du pied gauche de Sreden Lakic, qui est droitier. Mais c'est pas grave, un tir, un cadré, un but.
Ah, j'aimerais bien être sur mon mauvais pied, mettre des reprises de volée comme ça. Hop, on trace. Plus de possession, plus de passes réussies, plus de tacles remportés. Juste au niveau de la tête, on n'est pas bon. Neuf tirs de cadré, pas d'occasion franche, plus de possession, plus de passes réussies, plus de tacles remportés, il se passe toujours rien. Il se passe toujours rien. Si je suis en offensif, ils vont me jouer en contre-attaque et je vais me prendre le but du 2-0. Tous les joueurs sont à plus de 6,80 de moyenne à part celui qui s'est fait baiser sur le débordement, c'est-à-dire que l'équipe ne joue pas mal. Mais j'ai aucune action. C'est-à-dire que la notation du jeu elle rentre elle aussi dans une sorte d'illogisme irrespectable as fuck. C'est bien. Je comprends. Alors c'est vraiment. Franchement, je suis même pas content de marquer parce que là, faut qu'on m'explique. Je passe en jouer plus court. Voilà le résumé de l'action. Je joue en jeu direct tout le match. Il se passe rien. Voilà le résumé de l'action quand vous passez en jeu court. Touche. Jeu direct au milieu. Jeu direct sur le côté. Jeu direct dans la surface. Alors là. Alors franchement, je n'en comprends rien du tout. Mais rien du tout. Je viens de passer en jouer plus court. On fait 4 ballons en jeu direct pour marquer, certes, mais. Mais je préfère perdre avec mes. Oh, le but à la con. On va gagner chez le premier après 4 matchs en. Je sais pas quoi dire. Alors on vient de gagner donc 2-1 chez le premier du championnat. Premier après 3 journées, hein. Rien de bien foufou. Ils avaient tous un moral correct. Des petits soucis chantaient bien qu'on avait les stats pour nous. Mais dans le jeu de tête, nous n'étions pas bons. Donc ce que j'aime bien faire quand on a des soucis un peu dans le jeu de tête, mais que j'ai à peu près toutes les autres stats, j'aime bien passer en jeu court. Parce que comme ça nous force à jouer un peu plus au sol, là où sur le match, ce sont nos qualités. Lorsque j'effectue ce changement, alors certes c'est du jeu direct à mi-hauteur, mais enfin c'est du jeu direct, c'est pas du jeu court. On fait trois longs ballons pour marquer un très très beau but. C'est-à-dire que ça c'est un magnifique but que je marque avec la tactique de base, pas en jouant plus court. Et derrière j'ai deuxième occasion, un coup de une touche, coup de main arrêté. Je vais revoir l'action parce que je. Non, non, même pas. C'est un décalage sur jeu direct, hein, le jeu court. Je cours encore une fois. Ah, c'est un tacle, d'accord. C'est un tacle du défenseur en bien tout droit dans sa surface. Qui s'entube lui-même. On a vraiment eu les stats pour nous. C'est un match mérité encore une fois, mais cette fois le sort est un peu plus. Je vais pas dire logique. Un peu plus gai, on va dire. Un peu plus Kappa Pride. Voilà. On a gagné. C'est cool. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Bon, au lieu de. Voilà, j'ai passé un peu ma période où je me suis un peu énervé. Parce que bon. On se détend.
On mérite cette victoire, mais que ce fut dur, un petit coup de pouce du destin, petit coup de pouce d'un défenseur qui a taclé tout droit dans sa surface en direction de son gardien. Et notre Islandais qui a bien suivi. J'ai une stat qui me saute pas mal aux yeux. Et je peux peut-être ajuster ça dans la tactique. C'est les capacités à mes joueurs de très très mal centrer. Défenseur droit, zéro centre réussi. Défenseur gauche, ah, on a que des stats de kilomètres. Milieu droit, zéro proportion de centre réussi. Milieu gauche, zéro proportion de centre réussi. Bon. Comment te dire? On a été très mauvais sur les centres. Je pense que leurs latéraux ont fait peut-être aussi un peu le taf. Voilà, 12 interceptions pour le latéral droit. Et le latéral gauche qui termine à 7,3. Donc, effectivement, j'ai ma réponse aussi. Bon. C'est quand même un match. Je sais pas si ces changements d'entraînement. Je sais qu'ils fonctionnent pas mal quand même. Le cohésion d'équipe collectif. Dans les crises. Je sais que les réunions, je ne leur fais plus confiance. Ah, bref. On va regarder un peu les stats. Parce que c'est donc notre match référence en championnat. Pour l'instant. Et on va essayer de trouver un peu les raisons. Quels sont les joueurs qui. Tiens, fais voir un calepin. Parce que je vais. Ah, ça me fait chier ce début de saison quand même. Je l'ai encore en travers de la gorge. Faut avancer. Alors, Marius Müller, commençons par le gardien. 20 sur 20, on passe. C'est bien, il a respecté les consignes de relance courte. Ça pénalise. Oh, pardon. Excusez-moi. Il n'y aura pas de CSKA Moscou Dynamo qui en face de Pau l'instant sera sevré de duel. Donc le tirage est truqué. Pour enfin c'est forcément. Ou bien s'ils tombent ensemble, comment ils font? Ils refont le tirage? Comment ça se passe? C'est bizarre leur truc là avec Moscou Kiev. Bref. Rien de spécial sur le match du gardien, match propre, il a respecté mes consignes. Il a fait quelques arrêts quand même, merci. 6,9, c'est un match classique. Voilà. Pas plus. Michael Schulze, qui faisait des très bons matchs depuis le début, qui fait un très mauvais match. Le but vient de sur son côté où il rate son interception et l'ailier gauche part comme une mobylette. Ouais. J'étais le seul qui était en dessous des 6,8, je le sors. C'est classique. Alors, ma défense centrale est à 6-9 tous les deux. Ils ont fait un match très classique aussi. Assez peu de pertes de balles, assez peu d'interceptions. Classique as fuck. Là où ça va mieux, c'est Chris Lowe. Très bon joueur en lui en l'occurrence. Pas mal de ballons perdus. Un centre réussi sur trois. En plus, on peut peut-être lui donner un peu plus de liberté. Beaucoup de ballons touchés. Quand même 30 ballons de plus que le côté droit. Pas mal de tacles, la tête ça passe, 15 touches, beaucoup de ballons touchés. Ouais. 4 erreurs côté droit, putain. Pas top ça. Ouais. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc le milieu def sur ce match, normalement c'était Marcus Karl, comme d'habitude notre demi-centre, qui est un très 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 bon joueur. Alors Marcus, 75-59, 16 ballons perdus quand même. Bon, c'est pas top top. Deux passes clés, 9 tacles réussis sur 9, 10 ballons sur 11 pris de la tête, 14 interceptions.
Ok, c'est pour ça qu'il a 7,7, je comprends mieux. À droite, c'était Alphard avec 35,29. On a beaucoup joué côté gauche, hein, comparé à côté droit. 10 ballons de plus pour Gauss et une trentaine de 25aine de plus pour le. Ok. Peut être bon d'insister un peu sur notre côté gauche aussi quand ça va pas. Alors ensuite. Côté gauche, ouais, pas super match des ailiers. De toute façon, ça c'est leur capacité à faire la différence sur les centres, hein, s'ils le font pas sur un match comme ça. Beaucoup de ballons pour Ruben Jensen, assez peu de perdus quand même, 20 ballons. Il est bien quand même cet attaquant là, il touche, prend les ballons de la tête, pas trop mauvais au jeu au sol. Et l'homme du match, donc lui il a joué en MJA du coup, Osei, mon Ghanéen là, qui a fait des bons matchs amicaux. Là, il dribble pas mal. Puis l'inspiration. Ok. Ok. Pas de soucis, Matt, à tout à l'heure. Bah, sûrement au Cardiff Stadium, Chiro. Un très très joli stade. Blessure de 5 semaines pour mon milieu droit titulaire. Décidément. Alors, je vais sauvegarder un coup, tiens, pendant que j'y pense. Alors, Sandhausen pour le prochain match. Hop. Alors, Paslak que j'aurais bien aimé avoir en prêt. Mais bon, je verrai au mercato hivernal quels sont les problèmes qu'on va avoir. Let's Oh. Allez, ce serait bien de repartir sur une bonne série, ce serait vachement bien. Alors, Sandhausen, vendredi. Alors, let's go. Là, ça serait. Là, faut mettre un petit coup d'accélérateur. Hein. Ça serait bien, pas se faire lâcher dès le début en championnat. Au classement, pas de Daniel Avtar. On va mettre Alexander Ring. J'attends beaucoup plus de lui. J'ai Piontek sur la touche aussi qui est pas mal si j'ai besoin. Je vais remettre Zimmer et je vais tenter de. Hop! Je vais enlever centré dès que possible. Et puis voilà. Voilà. Allez. Pourquoi forcément un gros match? On peut pas dire contre. Ouais.
Ah. À la cérémonie, il y a Ruud van Nistelrooy. L'adjoint qui me dit qu'on devrait centrer plus maintenant. Mais merde, vous me fatiguez avec vous. Bovarsson, un contre un? Dommage. Salut Nilsizi. Gauss. En retrait. Dommage. Je voulais savoir si tu aimais les barres transversales, pas celles que tu crois. What? Enfin, de toute façon, dans n'importe quel sens, j'ai l'impression que non. À part quand c'est l'équipe adverse qui en fait, des barres transversales, sinon... Non? J'ai peur de mal comprendre ta question. Ou de pas comprendre ta question. Je crois que c'est surtout ça. On fait un premier changement. On sort le plus mauvais. Putain, j'ai un problème avec ces latéraux là. Ah, vous m'agacez. Je laisse le mec avec le carton jaune. Bon, allez. Oublions cette question. On baisse un peu le rythme. Parce que bon. Je suis obligé de tryhard les matchs, hein, c'est à peu près logique. On est encore en... Comment dire? Récupération, on va dire. En convalescence, je vais charger le mot, excusez-moi. On est en complètement convalescence encore. Voilà, on s'impose 1-0, je tryhard à la 75e avec le conserver le ballon et souffler un peu. Voilà. J'essaie de créer une dynamique. J'hésitais à dire on s'en est bien tiré. Parce qu'on s'en est bien tiré à mes yeux. Mais j'essaie de créer une dynamique positive quand même. Avec c'est bien les gars, on a encore gagné. Putain, il me blesse encore mon meneur de jeu pour 3 semaines. Après mon milieu droit pour 4 semaines. Bordel. Mais c'est bien. Ça permet de créer une dynamique positive. Permet de se relancer après ce. 3 matchs en victoire en championnat. Espérons que le groupe se consolide un peu. Salut Dottinho. Salut, salut. Ben, en fait, oui, hein, je comprends pas trop, Chiro. C'est vrai que c'est hyper. C'est un intrigant en fait. Parce qu'ils disent, voilà, par rapport au conflit russo-ukrainien. Voilà, il n'y aura pas forcément pas de duel en poule. Et imagine, ils sont contents du fait, par exemple, que l'un soit voilà, groupe 1 et l'autre groupe 2, et hop, les tirages font comme par hasard, enfin non, groupe, quel que soit le groupe d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, qui se retrouvent en 8e de finale. Enfin, ça c'est. Alors, je comprends l'état de guerre et tout, qu'on essaie de trouver des solutions à ça, il n'y a pas de problème, mais. Oh, pardon. J'ai l'impression que ça fausse un peu en fait, c'est ça mon souci. J'espère que ça va pas trop. Merde, putain, excusez-moi, j'ai pas retenu. Quelqu'un a dit le tirage LDC Eurosport et l'équipe 21. Merci à cette personne. Pour avancer et discrètement, je vais allumer l'équipe 21.
Alors, les entraînements individuels, j'ai jamais été fan. Je regarde un truc, ça pompe pas trop la connexion. C'est parfait. Alors, groupe C, Barcelone apparemment. Ça bug sur l'équipe 21? Oh merde. Attends, je déplace le chat 6. Moi, ça me met groupe C, Barcelone.